Bonjour, je m'appelle Ellie Anderson et je suis le papa d'un petit garçon qui s'appelle Oscar Peele. C'est un petit garçon très particulier. C'est un garçon qui est en même temps comme tout le monde, c'est un adolescent qui vit dans une ville un peu imaginaire qui s'appelle Pleasantville aux États-Unis et qui vit à l'école, qui a sa famille, qui vit en fait avec, je ne suis pas son vrai papa, hein, donc il vit avec sa maman et sa sœur et son père est mort en fait il y a bien avant sa naissance. Et voilà, il va vivre des choses extraordinaires en même temps parce qu'il découvre qu'il a un pouvoir fabuleux, c'est celui de voyager dans le corps humain. Et il va voyager dans les univers et dedans, c'est pas du tout comme on imagine. Le corps prend vraiment une image complètement différente. Il y a des éléments déchaînés, il y a des montagnes, il y a des océans, il y a des peuples, des guerres, des amis, des ennemis. Donc il y a plein de choses. Donc il va vivre des aventures fabuleuses. Et en fait, c'est un petit garçon qui est né dans ma tête initialement il y a presque 12 ans. Mais ça remonte encore bien plus loin, parce que déjà depuis tout petit, moi je suis passionné par deux choses. Par l'aventure d'abord, et la deuxième chose, je suis passionné par le corps humain. J'ai toujours été très intéressé par ça. Quand j'étais tout petit, je décortiquais les insectes, j'ouvrais ça, je voulais savoir comment ça se passait. Quand j'ai voulu le faire avec les êtres humains, c'était plus difficile, on m'a pas laissé le faire. Donc du coup, je suis devenu médecin. Donc voilà, je suis allé voir comment ça se passait vraiment dans cette machine. Mais voilà, j'étais un peu déçu parce que je me suis rendu compte que c'était une machine, justement. Juste une machine, très belle machine, mais une machine. Donc, moi, j'étais déçu et je me suis dit, ce corps tel que je l'imagine, avec les montagnes, avec les océans, avec les guerres, ben, puisqu'il n'existe pas, il va falloir le créer. Et voilà comment est né donc Oscar. Et cet Oscar, donc, va vivre une aventure fabuleuse. Donc il n'a plus de père, comme je l'ai dit. Il va essayer de découvrir ce qui s'est passé pour son père, justement, essayer de lever le mystère là-dessus. Puis surtout, il va devoir gagner des trophées. Il va partir dans le corps humain. Il y a 5 univers dans le corps, plein de magie, plein de mystères, plein d'aventures. De chaque univers, il doit rapporter un trophée pour devenir ce qu'on appelle un médicus, donc un grand médicus. Et en même temps, eh bien, il va devoir suivre une destinée. Il y a quelque chose autour de lui qu'on ne connaît pas encore. Il a un rôle à jouer qui est très important. Il doit se battre contre leurs ennemis jurés, qui s'appellent les Pathologus. Et ces Pathologus ont juré la perte de l'humanité. Donc voilà, il va falloir se battre contre eux parce que leur chef s'est échappé. Il va falloir avancer dans tous ces univers, acquérir de plus en plus de pouvoir. Et finalement, voilà, grandir. Il a 12 ans quand ça commence. Il aura presque 18 ans. Pour le dernier tome, qui sera donc 5 tomes plus tard, au bout des 5 univers, et il va finir dans un univers qui est fascinant, que j'adore, et qui me fascine et qui me fait peur aussi en même temps, hein, qui est plein de mystères et de dangers, c'est celui de la pensée et de l'idée, c'est dans le cerveau. Donc voilà, il va commencer avec Hepatolia, qui est le premier univers, avec le tube digestif, avec la bouche, avec les intestins, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on imagine. Hein. Et puis ensuite, il y aura l'univers des cœurs et des poumons, il y a des canyons, il y a des cités sous la mer, des cités au-dessus de la mer. Il y aura ensuite le troisième univers dont il faut rapporter encore un trophée, c'est celui du sexe. Et c'est celui de l'intimité du corps féminin et masculin. Il va voyager dans une femme enceinte, ça va être absolument génial. Dans le quatrième, il va y avoir les gènes, l'information, la communication. Et le cinquième, c'est la toute fin du cycle. Et c'est quand il arrive à comprendre ce qui se passe dans le cerveau, avec la pensée, avec l'idée. Donc il y a plein de dangers, il y a plein de choses, et c'est un grand voyage. Et il serait très content qu'il soit accompagné par plein de copains et plein de copines. Il en a déjà dans le livre. Et ben, il n'a plus qu'une seule envie, c'est qu'il y en ait en dehors du livre. Donc voilà, il est prêt à vous prendre la main. Et moi aussi, je suis très content. Donc bonne lecture et bon voyage là où personne n'est jamais allé.